On a une petite perte de batterie sur le camion 3, le premier à 3h du mat, donc un peu de stress. Longest day of the Dakar, or what? Et 3h45. Pas mal pour un meilleur. L'outil, c'est en fait trop simple. C'est juste pour. Tu les cales ici. Après, tu les mets un peu de pression sur les mousses. Une fois qu'il est bien, quand tu accélères sur la route, tu les cales bien et il reste accéléré. Après, si tu as un souci, tu peux quand même freiner. Tu t'es détendu. Hein? C'est ton plaisir. Hein? Ouais. Ok. 20 bornes. Attention la, la dune, hein. Yeah. 4,55, juste devant Rui. Ils ont 10 secondes d'écart les deux. Je vais décoller et je décolle un petit peu. Sauf comme on est arrivé très vite, j'avais les marches très hautes. Et quand je suis atterri en bas, c'était un peu beau. Elle a calé. Il a perdu un peu de temps, mais sinon ça va, c'était très vite, très très vite. Alors il pense que la Warrior il va chercher les traces et c'est un peu comme ça. D'accord. Ça va, je te l'ai piqué dans le camion de, de l'année dernière. Oui, oui. C'est au Maroc. Au Maroc il y avait un élastique là, je l'ai coupé, j'ai mis un riselant et là. Bon, on vient d'arriver sur le premier bivouac à Isle après avoir fait 850 km ce matin et on se prépare pour l'étape 1 demain. Je vais mettre tout ce qu'on a contrôlé pour tout vérifier dans, les, dans l'ordre des étapes. Pour demain matin avant de partir, on sait qu'on aura ça, tout ça à contrôler pour être bien sûr à 100%.